c'est ça. Hola, Luis here. Oh, Luis. Well, I wanted to go home, but Ashley just had to see this castle first. Perfect, because I have a present I want to give you. Medicine that will help to suppress the progress of your problem. Where do we go? Let's see. Come to the courtyard inside of the castle. We can meet up there. Ciao. All right, Ashley. Chapitre 7. Luis just said. I got it. Guess we better get going. Oui, c'est possible, c'est même une excellente possibilité qu'il y ait Shiro. La vraie question étant, un, comment le savoir, et admettons que ça soit ça, comment le résoudre. Parce que mon alimentation est suffisamment puissante pour alimenter tout ce qui est alimenté. Mais si effectivement, faut que le port USB ait plus de jus, comment t'augmentes le jus qu'un port USB, tu vois, peut avoir. J'en ai foutrement personnellement aucune idée. Ça dépasse totalement mes compétences, hein, ouais. Ticket d'amélioration spéciale. What's that? How have we procured these curiosities? Ou alors, ça voudrait dire que les ports rouges là, c'est pas des ports plus alimentés? Attends. Les nouveaux ports rouges, les ports 3.2, c'est pas justement des ports suralimentés, des ports USB suralimentés? C'est ça, je crois. Hein. J'en ai un port rouge comme ça. Attendez, il me semble, enfin, je check, mais il me semble. Un ticket à usage unique qui donne accès à l'amélioration spéciale d'une arme, quel qu'en soit le niveau. C'est stylé ça. Ah, trésor du château, ça aussi c'est stylé. Mallette en cuir, moins stylé. Faut que je check, mais ça se trouve, faudrait juste que je la branche sur le port rouge et ça résoudrait le problème. Après, pour le coup, en fait, Keshiro, le truc c'est que ma caméra, elle est pas alimentée par le port USB en fait, non. C'est pas con. En fait, si, c'est pas ça. Ma caméra, c'est une vraie caméra, donc elle est alimentée par un secteur. C'est pas le port USB qui l'alimente. Par contre, ça passe par le Cam Link. C'est pas le PC, tu vois, qui... Oh. Oh. That cash in your pocket. Oh. 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 Easy choice, mate. Oh, putain. Alors logiquement, si Papugai, mais il me semblait, c'est pour ça que j'ai peut-être une connerie, mais c'est pour ça que je demandais aussi. Attendez, il me semblait que justement l'intérêt c'était que le rouge, c'est justement parfait pour mettre un hub ou autre, pour avoir, enfin, ou pour alimenter un truc en USB costaud. Ouais. Alors j'ai pas de câble USB pour le coup, c'est un Cam Link. C'est-à-dire qu'en gros, et le câble HDMI, il est impeccable, c'est un 2.1, celui de la PS5 pour le coup, donc il n'y a pas mieux en câble HDMI. Et c'est le câble. En gros, c'est le. J'extrais l'image en HDMI, tac, ça se branche dans le Cam Link, et lui est branché sur actuellement un port 3.0. Mais oui, je pourrais essayer de brancher le port rouge. Ok, donc le Magnum, il fait des dégâts extraordinaires. Lui aussi, il a l'air vénère. Oh là 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 là. Red 9. Alors. D'accord. Putain, on va vendre des trucs, les gars. Le Stingray, ouais, ça a l'air stylé aussi. Et le 3.2, s'il te plaît, le Sphinx. Les ports rouges, je crois que c'est du 3.2. Mais après, encore une fois... Ah, ça refreeze, attendez. Bon, écoutez, je teste, ça refreeze. On va tester ça. On va voir ce qu'il en est. Alors. Hop. Ok, donc là, ça marche absolument pas. Attendez. Victim d'Ice Cash.
Donc là, en gros, par contre... Alors, on va tester. Il est possible que j'ai à relancer le live. On va voir. C'est possible. Ah, ou pas. Coucou. Salut. Tac, contrôle. Isochronous, pourtant, ça, c'est bon. Ok. On est bon ici. La cam marche. Maintenant, il faut que... Ah, Attends, j'ai peut-être la solution pour le coup. J'ai peut-être la solution. Alors. On va essayer. C'est ça que j'ai jamais mis sur le port rouge, j'avais pas pensé pour le coup. Hop. On va voir si ça va refreeze comme ça ou pas. Mystère. Ok. On est bon. Salut Cam7. Victim Dice. Bah ouais, mais bon, en espérant que c'est la bonne solution. Bah écoute. Si c'est pas ça, ouais, j'ai un port USB rouge. Et je crois que ça envoie plus. On va voir. Genre 3.2 ou je sais pas. J'étais sur un 3.0. De la carte mère, toujours, et évidemment. Évidemment. Merde. C'est quoi les... Ah, c'était les subs pris au début, Socure, tu les avais ratés, là. Alors, donc... Œil de verre de Mendez, ah. Nice. Alors... Le rouge, il a eu 3 points, gen 2. Je n'y connais que là, là-dessus. Hein. Attends, les puissances standards. Ok. Port rouge sur 22, c'est comme un type C pour résumer. Il est en type A. Ça, encore une fois, ça les perd ses compétences. Je pense qu'on va dire adieu à notre bon vieux... à notre bon vieux SR. Pour le modifier par le Stingray. Et... La question, c'est est-ce que je vends le Ren 9 ou pas. Le Ren 9, il me sert quand même bien. Ruby's all rubbish, it makes no difference. The price, well, that's our choice to make. Mais le truc, comme je vous disais, c'est qu'elle... En fait, ce que j'essaie de comprendre, c'est que la caméra, logiquement, elle est alimentée par le secteur. Elle envoie ensuite le flux vidéo au câble HDMI qui est lui-même dans le Calm Link. Mais je pense que je vais vendre les deux, en fait, parce que je vais avoir deux nouvelles armes. Je vais dégager le lance-carreau et le SR pour prendre le Stingray et le Magnum, tu vois. En gros, l'idée, il faut que je dégage deux armes pour choper les deux là. Donc le lance-carreau, je suis d'accord. Et le SR, ça me paraît pas mal. Fusil anti-émeute, il est génial. Le SR, effectivement, il faisait mal, mais bon. Attendez, on va checker un peu, mais... Oui, mais peut-être qu'on va... Peut-être. Je lui dis, ça les... Encore une fois, ça dépasse mes connaissances, hein, donc... je suis preneur. Attends, on va dégager donc les mines. Et on va dégager les munitions de fusil. Munitions de mitraillette. Le lance-carreau et le SR. Tu filmes en quoi? Le natif doit être en... Ah, faudrait voir s'il est en 4K ou 1080p. C'est vrai qu'il peut... Ah, c'est peut-être ça le souci. Faudrait voir. Soit j'envoie du... Après, j'ai un Calm Link 4K. Donc j'envoie du 4K. 4K... Mais ça, le Calm Link, c'est 4K 30. Faudrait que je vois si la caméra est en 4K ou en 1080p. Ça vient problème... Tiens, c'est pas con ça. Ça vient peut-être d'un problème de compatibilité entre la caméra qui envoie du 4K natif et au final le Calm Link qui doit transférer en 1080p. C'était too much pour lui. Tandis que si la caméra est en 1080p 60... Après, ça se trouve, elle est en 1080p 60. C'est possible aussi, donc... Mais c'est un truc à vérifier. C'est une piste à vérifier ce soir. Effectivement. Mais ta gueule, le vendeur, j'en peux plus de lui. Donc, SR, ça saute. Lance-carreau, ça saute. Mitraillette, ça saute. Ok. Et là, fuck that shit. Je change d'avis, je prends le bazooka. En vrai, ça serait stylé. Par contre, comment ça, pas de place? Attendez. Ok. Ok. On est pas mal. Alors. Bon, déjà, lui, on va le réparer parce qu'il carry.
Ouais, mais bon, c'est le but du Camlink, logiquement. Si j'ai le Camlink 4K, hein, je précise. Hein. Alors. Ah, le Black Tail, c'est un nouveau gun aussi. Ah oui, c'est le Black Tail à la place du Red 9 aussi, c'est possible ça. On changerait trois armes là? Écoutez, let's go, hein. Allez. Stranger. I'll pay a pretty penny for that. Ok. That's an exemplary firearm right there, stranger. Allez. But she'll make you an ideal companion. Le Stingray. This gun turns it into pumpkin spades. Take this for a rampage through the patch. Et le Magnum. Barry à jamais dans nos cœurs. Parti trop jeune. You'll know what I'm talking about. Go on, take this as well. Free of charge. Voilà. Knowledge is power. Remember that, mate. Ok. Bazooka, non. Ferraille G, en vrai, pourquoi pas. On verra après. Ok, maintenant on va faire les modifications. Alors. Le Magnum, il fait déjà bien assez mal comme ça. Lack of skill, friend. This kind of work is about finesse, stranger. Finesse. Little bit. J'aime bien comment il dit finesse. You see. Après, le fait que ça rame, ça vient que depuis. Je vais m'occuper de la cam ce soir. Je vais avancer encore un peu dans le jeu. Je vais être un peu plus tôt prévu ce soir. On va checker un peu de trucs sur la cam. J'ai eu des nouvelles pistes là, j'ai envie de les. On va continuer encore un peu là, mais je pense qu'on finit peut-être le chapitre. Quoique, c'est un chapitre, ça va durer une heure. On va voir. Puissance, ouais, le Stingray, on va augmenter la patate. On va un peu tout, hein. Le Black Tail, oui. Oui. Putain, la thune, elle descend vite, hein. Oh lolo, la thune, elle descend très très vite, les gars. Revolver à l'ancienne. Bah tu vois, pour le coup, moi je suis plus fan HFLA justement des guns comme ça, un peu en mode cowboy. Le Red 9, c'est un peu en mode début 20ème quoi. Ouais, mais regarde, tu vois, ça rame toujours Cam 7 et on sait pas pourquoi. C'est pas. Alors là, c'est fluide, mais parfois ça rame un peu, je sais pas d'où ça vient. Et sachant que là, mon PC, c'est le tripod pépère. Hein. La puissance du Magnum, ça sert à rien, il fait déjà tellement de dégâts en vrai. Qu'est-ce que je peux améliorer? Attendez, rechargement, cadence de tir. Ça rame, qu'à la rame, serait pas en 60 fps, du coup avec la conversion d'image. Alors la conversion d'image, on est en 60 fps, mais on est en 1080p 60. C'est-à-dire que moi, mon flux vidéo de webcam, il est censé être en 1080p 60. On n'est pas en 30 là, ça c'est du 60. Ça se voit d'ailleurs. Donc je pense que la cam doit être aussi en 1080p 60 pour le coup. Time is money, mate. Mais ça rame que depuis Resident Evil 2. Ah, ça refreeze. Ça refreeze. Bon. C'est pas le port USB. On va se quitter là, le chat. Ça va être plus tôt que prévu. Ça va être short, en fait, le film. En vrai, le film est mardi.